Bon, le nageur, c'est un exercice qui va te permettre de réinitialiser l'épaule et ses structures en fin de journée, surtout si tu travailles et que tu fais un métier, les coudes en l'air, par exemple les coiffeurs, ceux qui travaillent dans les magasins de vêtements, qui font de l'étiquetage, les serveurs, etc. Donc cet exercice va te permettre de réinitialiser et de faire bouger ton épaule dans toute son amplitude, dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Également, il peut t'intéresser. Si par exemple tu te retrouves avec des douleurs sans vraiment limitation d'amplitude, mais qu'en fin de mouvement tu peux te retrouver avec des douleurs en allant chercher quelque chose vers le haut ou attraper la ceinture dans la voiture, ce genre de truc. Mets-toi en place debout, les pieds largeur d'épaule, les bras le long du corps, bras ballants, ferme les yeux pour être tranquille et ensuite tu vas amener ta main droite devant ta braguette, puis devant ta poche et ensuite pivote le poignet pour orienter la paume de main vers le sol. Tracte sur ton bras pour avoir le coude bien tendu et avoir une tension maximale au niveau de l'épaule. Amène ta main le plus loin possible vers l'avant, puis vers le plafond, comme si l'on te suspendait par le haut. Laisse bien relâcher ton épaule, sens la tension dedans, puis amène ta main le plus loin possible vers l'arrière. Garde les épaules bien droites, puis amène. Continue le mouvement vers la fesse, puis vers la poche. Ça, c'est le dos crawlé et on refait la même chose de l'autre côté. Main gauche vers la poche droite, pivoter le poignet pour orienter la main vers le sol, la paume de main vers le sol, puis vers l'avant, vers le plafond. Essayez de venir toucher l'oreille avec le bras, puis vers l'arrière pour ramener vers la fesse et vers l'avant. Donc ça, c'est le dos crawlé. Et on va faire le même mouvement en crawl. Donc ça va être l'exact inverse afin de travailler dans les deux sens. Donc l'exact inverse, ça fait ça. On a fait le lor manodou, maintenant on va passer aux 50 mètres neige, 50 mètres nage libre de son frère Florent. Les mains sur les fesses, tire la main vers l'arrière, pivote vers le plafond, amène le plus loin possible derrière. Puis vers le plafond, laisse-toi suspendre, puis vers l'avant et le dedans pour amener la main sur la poche opposée. Devant la braguette, vérifie qu'elle soit bien fermée, puis le long du corps. Et la même chose de l'autre côté. Loin vers l'arrière, pivote vers le plafond. Vers l'avant et le côté, la poche opposée, la braguette et le côté. 5 répétitions dans les deux sens, les deux bras également. Et ben, j'espère que ça va t'aider. Et si c'est pas suffisant, sûrement que de compiler cet exercice-là avec un exercice de renforcement et d'assouplissement, donc deux exercices spécifiques des structures, notamment des muscles qui sont véritablement atteints. Par exemple, sur l'abduction, ça va être le supraépineux deltoïde. Et par exemple, il peut y avoir aussi une atteinte au niveau des rotateurs si on a du mal à aller chercher l'arrière ici, par exemple, ou aller chercher la ceinture derrière, loin derrière ici, dégrafer le soutien-gorge, ce genre de truc. Il va y avoir des exercices plus spécifiques. Et bah, j'espère que je vais vous les montrer prochainement. Allez, ciao!